Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Portal. Aujourd'hui on a la patate, ah ben non, on l'a plus, on l'a mangée. c'est gênant, c'est complètement gênant. On va continuer nos recherches du Saint-Esprit, amen. Qu'est-ce que c'est ici? C'est nul à chier. On va continuer nos recherches de la sortie, hein, parce que c'est ça qui nous guide. Et c'est ça qui nous intéresse. On va partir ici déjà, pour tenter quelque chose... De nouveau, genre des pâtes au saumon. Ça fait très très longtemps que j'ai pas mangé des pâtes au saumon. Si j'avais une opportunité, je la prendrais tout de suite. Et là, il y a un mec qui m'a même dit des pâtes au saumon en convention, je vais pas assumer. Alors ici, ça m'a l'air un petit peu compromis, genre pas terrible. Donc, on ne va pas ici. Parce que c'est l'endroit où on était allé la dernière fois, en fait. Hein. Si j'étais pas aveugle, je m'en serais rendu compte bien plus tôt. Ici, qu'est-ce qu'on a? On va aller là. Hop là. Salut. Ici, on n'a rien de captivant non plus. Hein. On n'est pas en enjaillement total. Est-ce qu'il y a au-dessus? Non, il n'y a pas au-dessus. Donc, on peut penser que ce n'est pas par là. Puis, arrivé là, ici, il y a quelque chose de l'autre côté. Donc, on peut se dire, c'est cool. Mais, ça ne correspond pas à nos possibilités d'acquisition type cool. Donc, ça ne doit pas être par là. Ouais, maintenant ici. Ici, on a sur les côtés des petits trucs. Est-ce qu'on peut y accéder? On ne peut pas y accéder. On ne peut pas y accéder, je pense. Donc on peut se dire, ce n'est pas par là. Oula, la souris fait de la merde. Ici, on a accès à quelque chose. Rien d'intéressant par là, rien d'intéressant, voilà. On met un peu de lumière, hein, évidemment, c'est important. Hop là, et arrivé plus haut, on a ici. Et ici, on n'a rien trouvé. Mais est-ce qu'on a tout fouillé? Est-ce qu'on a tout fouillé? C'est la question qu'on est à même de se poser, hein. Vous vous posez cette question? Parfait. Alors ici, on avait déjà vu, ce n'était pas cool. Ici, rien d'intéressant. Il n'y a évidemment pas de faille dans cette structure de type verrière. Ici, aucune faille dans la structure de type verrière. Donc, on est plutôt perplexe. On est plutôt perplexe et ici, aucune faille dans la structure de type verrière. Donc, on se casse en remontant très loin. Parce qu'on avait notre portail qui était ici. Ne me jugez pas, bordel. Hop là, je mets le rouge au-dessus parce que ça peut nous aider. Ici, on avait conclu qu'on pouvait rien faire parce que c'était chaud, c'était hoche. Mais peut-être qu'il faut revoir nos problèmes. Il faut peut-être les revoir. Donc ici, on y est déjà allé, évidemment. On remonte, on remonte, on remonte. Et il n'y a pas d'autre chemin par là. Hein. On va quand même fouiller un peu correctement. C'est quoi cette flèche? Et on est con. Pouf. Oh, on a gagné des blocs. Ok, on a trouvé la suite. On a trouvé la suite, c'est plutôt stylé. Et là, il y a un bouton qui va pas marcher. Non. Non, il marche jamais les boutons. Ok, on a trouvé. Aïe, 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 on est con, on est con, on est con, on est con, on est con. Il n'y avait rien ici en plus. Ah non, il y a peut-être un chemin ici. S'il vous plaît, arrêtez de brûler. Ah, ou au-dessus. Au-dessus, pouvons-nous se barrer? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci. Oh. Ah, est-ce qu'au-dessus, je peux me barrer? Vraisemblablement, pas comme ça. Ici. Nope. Donc, on ne doit pas aller ici, je pense. Si, on doit forcément aller là. On va vérifier. Pour se faire un petit coup de pouf. Voilà. Et on se dit... il y a un trou là. Voilà. Il y a un trou là, on va l'exploiter. Pour l'exploiter, bon, on va passer par là. Hein. Ah, ça nous ouvre ça. Donc dans l'idée... Ça, ça ne fait rien. Attends, ça ouvre une porte qui sert à rien en fait. Hein.
Checkpoint. Ah si, en fait c'était juste ici, puisqu'on était nul, on n'avait pas vu, mais ce n'était pas compliqué. Ce bouton-là n'a pas d'utilité première. Par contre, on a un petit accès vers la suite ici. Voilà. Ici, comment on accède de l'autre côté? Ah, de l'autre côté. Ah, là je pense qu'on va être sur une méthode B6324 qui consiste à faire ça. C'est assez technique, mais une fois qu'on sait le faire, eh bien on sait le faire. Non, jure. Bon, on va passer là. Ah, checkpoint, ça veut dire que c'est cool. Ouais, c'est comme ça que je sais les choses. Genre, oh, checkpoint, ça veut dire que c'est cool. Ici. Ah, ici, il y a des trucs. Donc, il faut pas le négliger. Mais, ici, il y a toujours un moyen de passer. Donc, tant qu'on a moyen de se déplacer par là, on se déplace par là. Écoutez, on n'est pas quelqu'un de très, très difficile de ce point de vue-là. Là, il y avait un écriteau. Donc, on va aller lire. Qu'est-ce que ça raconte ? Dans le cadre du programme La Sécurité d'abord, nous tenons à vous rappeler qu'il est essentiel de ne pas toucher, goûter ou regarder ou parler à une quelconque substance au-delà de cette porte. Merci, bonne journée. Donc, il va falloir accéder à ce périmètre. Bonjour, excusez-moi, bonjour. Excusez-moi, pas de trou au plafond, pas de trou au plafond. Cette salle n'a pas l'air très utile, une fois. Attendez, je sais pas d'où je viens. Mais je sais où je vais. Je viens de là, hein. Et par tous les chemins, j'y reviendrai. Oui, je viens de là. Donc, ici, je ne connais pas. A, B, C et D. Hein, évidemment, mes lettres de l'alphabet préférées. Ici, on n'a rien. On n'a pas de trou, on n'a pas de structure, de moyen de se barrer. Donc, on continue notre épopée juste à côté. Placard fermé. Que dalle. Oula, j'ai du mal avec les portes. Strictement que dalle. Ah, là on a un passage. Alors, si je ne dis pas de bêtises, on est passé par là. Oui, on est passé par là, on n'avait pas de moyen de monter ici. Enfin, si, je pense qu'on aurait pu mettre le truc ici, mais on n'avait pas de moyen, on va dire. Attendez, je vais tout simplement vérifier. Ouais, on pouvait faire ça. Ah, mais est-ce que après on pouvait y aller? Ah! Je viens de me baiser. J'ai un petit regard ZF, mais je viens de me baiser en principe. Hein. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. On le vit bien, on va continuer de courir, parce que là pour le coup, c'est pas du tout loin l'endroit où on va. Hein. C'est juste à côté, et on connaît le chemin. Mais ça va bien se passer. Vous avez peur? Moi aussi. Mais c'est pas le propos. C'est pas le propos, voilà. On peut passer ici, on est content. On passe là, on appuie sur un bouton. On a un deuxième bouton, on appuie sur un deuxième bouton. On a un truc qui nous permet d'ouvrir une porte, même pas. On appuie dessus. Ouais, là c'est qu'un bloc. Hop, là. Qu'est-ce qu'il y a ici? Qu'est-ce qu'il y a ici? Voilà. Ok, nickel. Ça nous permet de monter là. Et ici, on peut monter là, non? Ça m'a pas l'air d'être l'endroit le plus idéal pour passer. Cependant, on peut passer ici avec une technique de B12C7. Voilà, qui consiste... Ah, c'était nul à chier. Ah, c'était nul à chier cet endroit. Il nous permettait de redescendre, donc on va là-bas. Non, attendez, c'est pas là-bas que je voulais aller. C'était ici, mais plus haut. Non, c'est pas ici, mais plus haut que je voulais aller. Ici, mais plus bas? Qu'est-ce qu'on a là? Voilà. Je ne sais pas ce qu'il y avait d'intéressant ici. Je pense qu'il n'y avait rien. Ah, il y a un petit chemin. Non, il n'y a pas de petit chemin. Pouf. Aïe. Aïe, j'ai dit. Excuse-moi la map. Non. Attendez, parce que vu que j'ai pas retrouvé l'endroit où je l'avais mis initialement, il faut être très efficace. C'est-à-dire qu'on rentre et on appuie sur R. Non, d'accord. On va trouver une autre méthode. Non, mais sérieusement, comment je suis monté tout à l'heure? En sautant. Allez, bonne soirée. Ici, il n'y a pas de cassure. Non, ici toujours pas moyen de faire un truc. Je suis perplexe.
Je suis perplexe. Je suis hyperplexe. Non, il n'y a pas moyen de faire un truc là. Et ici. Hop, si je fais ça, c'est nul à chier. Ouais, ça a l'air nul à chier. J'ai aucune motherfucking idée de ce qu'on doit faire. Mais alors aucune, hein. Des fois on se dit bon, j'ai une idée et c'est une idée de merde, mais là et là j'ai aucune idée. Écoutez, laissez-moi me barrer. Je sais pas encore comment je peux me barrer. Non, sérieusement, c'est un petit peu en kikinant. Ah, excusez-moi. Je n'avais pas vu cette petite option. Donc, ici, on est bien. Mais est-ce intéressant? Ici, c'est cool. Qu'est-ce qu'on vient de débloquer? Hop là. Nul à chier. Attendez, mais... Quoi? Je suis très perplexe sur l'avenir de l'humanité. Très 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 perplexe. C'est-à-dire que je venais d'ici, ok? On continue de réfléchir. On comprend pas, mais on continue de réfléchir. Ce n'est pas par ici. Ce n'est pas par là. Faut savoir quand même, pour ceux qui n'ont pas regardé la précédente Portal of Hall of Science, j'avais autant galéré pour m'enfuir. Et j'avais rage quit. Et on vient de trouver la sortie. Salut les gars, il y a un bouton. Faut jamais appuyer sur ces boutons. Parce qu'ils font rien. Yeah les gars, il y a un bouton. Faut jamais appuyer sur ces boutons. Parce qu'ils font rien. Ok, c'était pas ici. C'était pas ici, mais on est sur une bonne piste. Une piste de type délicieuse. Il y a une tourelle. C'est des fausses tourelles. C'est des fausses tourelles. Ok, nickel. Bonne ambiance. Très très bonne ambiance. Donc, ce nouvel endroit nous apporte rien d'intéressant pour l'instant. Ne nous apporte rien d'intéressant pour l'instant. Parce qu'il n'y a pas moyen de s'enfuir, en fait. Hein. Il n'y a en aucun cas moyen de s'enfuir. Comment je m'enfuis? Les gars! Ah, c'est des trappes. Donc quand on tire sur des trappes, ça fait ça. Ok. Hop. Enfin, quand on tire. Quand on clique sur des trappes. Ah! Non, je viens de là. Et par tous les chemins, j'y reviendrai. Non mais sérieusement? Allez, les gars. Ok, donc comme ça, on sait qu'il faut pas se préoccuper de cette porte-là, parce qu'il n'y a rien derrière. Ouais, c'était de la triche, ouais. Messieurs, vous avez un diamond chestplate. Un diamond chestplate, j'ai dit. Le charisme. J'avais pas un pantalon avant? Où est-ce qu'il a fini? On va prendre de la viande, parce que c'est bon, la viande. Et on va continuer de se poser des questions sur comment allons-nous nous barrer. Là, et on met de la lumière, mais on se rend compte qu'on peut rien faire. Ah mais doit y avoir un truc ici, hein. Il y a un problème sinon. Excusez-moi, est-ce que là il y a des trappes qui nous amènent quelque part? Non. Vous voulez me dire que cet endroit n'a strictement rien à voir avec la sortie? Voilà. On se casse. Ah, là bien. Donc cet endroit-là n'a rien à voir avec la sortie. Très bizarre, bon. Je trouve ça louche, moi, ici, mais bon. Ah, ces endroits-là. Ces endroits-là, comment on y accède? On y accède de part. Donc, ce n'est pas là. Ici, on fait ça. On tente d'y accéder par là. On tente les petits glitchs un peu douteux. Ce truc-là, c'est nul à chier. Peut-être. Ou peut-être que c'est bien.
Salut. Il y a une petite croix ici. Genre, vas-y, fais un objectif. Dormir? Tu veux que je dorme? Non, c'est pas la nuit. D'accord, je ne dors pas si c'est pas la nuit. Toi, est-ce que vraiment je dois aller... Non, on va pas faire ça sur toutes les portes non plus. Genre, je vais enfoncer toutes les portes. Ok. C'est visiblement pas ici. Tic-tic. Ce n'est pas là. Ici, on continue de chercher alors que bon. On s'est déjà rendu compte une autre fois que ce n'était pas par ici. Ici, pareil, même combat. Ici, je ne me rappelle plus ce qu'il y a. Ah oui, ici, il y a BCD. Mes lettres de l'alphabet préférées. Évidemment. Ça aurait été FGHI. Autant là, j'aurais pas aimé. Mais là, ABCD, excellent. Excellent. Très très bon choix. Ici, même galère qu'avant. Oups. Et on retourne là. Qui nous emmène toujours ici. Auquel on n'a pas accès normalement. Donc c'est forcément par là qu'il y a quelque chose qui se passe un peu, t'as vu. Mais comment? Comment et par où? Oups. Oups, oups, oups. On va continuer d'explorer des pistes. Ah non, on se fait pas avoir cette fois. On continue d'explorer des pistes. Je suis sûr qu'ici, il y a un truc, hein. Excusez-moi. Excusez-moi, je casse les barrières. C'est les barrières de la langue, ça, j'aime pas trop. Alors, j'essaye de les détruire pour les affaiblir, pour les humilier, pour... Bon, ok, je suis en train de tricher. Je suis en train de tricher, j'assume. J'accuse. J'accuse moi-même d'être en train de tricher. Allez, triche vite, là. Je veux dire, c'est une barrière, mec. En vrai, tu l'escalades. Enfin, tu fais un petit truc ghetto, mais tu peux passer. Hein. Tu vois, là, il y a un moyen de mettre un portail. Mais est-ce qu'on y arrive? Je ne sais pas. Et là-dedans. Qu'est-ce qu'il y a? Ok. Ah! Il y a des choses ici. Mais vu qu'on a triché, ouais, parce que bon, on assume quand même, vu qu'on a triché, on ne sait pas dans quel sens sont représentées ces choses. Et donc, on ne sait pas si vraiment on est censé être là. Parce que peut-être, peut-être. Croisons les doigts, pour que ce soit pas le cas, évidemment. Mais peut-être qu'on n'a rien à foutre ici. Checkpoint. Yes! Tricher, ça marche bien. Donc, c'était juste ici, mais je sais. Merde. Je sais juste pas comment on est possiblement, dans la vraie vie, censé mettre un truc à l'endroit où il était. Hein. Ok, là, on s'en fout. C'est linéaire, c'est très bien les livres, on s'en fout, on sait pas lire. Ouais, j'ai sauté ce bloc noir parce que je voulais pas marcher sur un noir. Alors que marcher sur des blancs, je m'en moque parce que je les dénigre, les blancs. Alors que les noirs, je les respecte. Ouais, je suis un mec comme ça. Secteur 5. On est en train de remonter le temps, ok? Il y a eu un bruit de vache. De chèvre. D'agneau. Ok. Lumière, merci. Pas moyen de se casser quelque part. Excusez-moi. Ils sont trop mignons, ils se déplacent. Oh, je me demande si ça c'est des trucs qui ont été codés pour ou si c'est des chèvres. Tu me tires dessus? Est-ce que tu lootes de la laine? Est-ce que tu lootes de la laine? Salut. Si tu pouvais mourir un moment. Bon, t'es mon nouveau familier, viens. Bon, tu t'en bats la race. Donc, on n'a rien trouvé de pertinent. Devons-nous descendre? Oui, on doit descendre. Parce que là, il y avait une porte stylée, mais j'ai pris l'autre, parce que je suis un mec comme ça. Ah, et là, on gagne un CD et un gâteau. Mais n'oubliez pas de cake is a lie. Donc, il ne faut pas le manger. Il ne faut pas le manger. Attention, on saute ce bloc, voilà. Et on arrive ici.
autoriser ou refuser l'accès au secteur 5 selon les résultats de la fouille réglementaire. Par défaut, le délai d'ouverture est limité à 5 secondes. L'accès au secteur 6 est limité aux employés en disposition d'un pass est considéré comme potentiel suspect tout employé forçant la porte en hurlant. En cas de menace imminente, nous vous rappelons qu'arracher le téléphone pour s'en servir comme arme contre votre ou vos agresseurs est un grave délit. Passible de poursuites utilisées afin de concevoir une bombe est également un délit. Merci, bonne journée. Alors on va appuyer sur ce bouton, mais ce bouton doit nous faire accéder à la suite. Je suppose. Sinon c'est qu'il est vraiment con ce bouton. S'il nous fait accéder à la suite, il faut que nous on puisse accéder à la suite. Et si la suite est en haut, à moins que ce soit cette porte-là la suite. Je ne sais pas. On va appuyer là-dessus. C'est pas ça. C'est pas ça, mais c'est la porte du secteur 5. Et le secteur 5, il est au-dessus. Excuse-moi, il m'amène où mon portail, là, à l'heure actuelle? Je vais le mettre là, voilà. Je vais le mettre à la même hauteur. Il m'amène où mon portail à l'heure actuelle? Mais il m'amène ici. Donc potentiellement zone moins je sais pas combien. Salut, salut. Plein de couloirs bien chiants. Il me faudrait le secteur 5 s'il vous plaît les mecs. Je crois que je fais demi-tour. Je suis une locumène. Je suis ce qu'il y a de pire. Je suis nul. Je suis mauvais. Mais c'est marrant parce que je crois que la seule map Minecraft vraiment hein, que j'ai rage-quit parce que j'arrivais pas à la finir, c'est celle-ci. Enfin, c'est la précédente, quoi, mais c'est le même esprit. Il y a vraiment que cette map-là qui me fait rage-quit. Comme quoi. Ah, secteur 5. Et donc ça, ça ouvre le secteur 5. Pas ! Nickel. Salut toi. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Rien ? Ok, donc on a un bouton ici qui traîne, enfin un bloc qui traîne si nécessaire. Oh, ils sont trop mignons. Dans le cadre du programme La Sécurité d'abord, nous tenons à vous rappeler que si vous avez aussi besoin de si vous pouvez aussi bien travailler qu'un robot, vous ne pouvez pas encaisser une balle aussi bien qu'un robot. Merci, bonne journée. Ok, excellent. Il y a des animaux de toutes sortes, c'est des animaux de test. En accord avec la politique de triage des matériaux en vigueur, merci de procéder à la vérification de la charge pondérale de ou des objets à entreposer. Ok. Donc ça, c'est notre bloc qu'on a repéré plus loin, qu'on va récupérer très très vite. Hop là, salut les gars. Non, c'est pas ici, c'est là, voilà. Salut mec. Voilà, bisous. Pouf. On va s'enfuir les gars. On va s'enfuir. C'est une table de craft, d'accord. Qui est plutôt jolie, plutôt bien designée. J'apprécie. J'apprécie l'effort. Ici, on a quoi? On a de la merde et des trucs un peu mieux. C'est jamais la première. La deuxième, peut-être. Mais la première, jamais. Bon, c'est pas la deuxième. Je vais pas retourner en arrière. C'est pas la première, je le sais. Je ne peux pas remonter ici. Celle-ci? Nope. Non, mais évidemment, il faut pas que ce soit trop facile. Sinon, après, la map te manque de respect. Il faut qu'elle te fasse galérer un petit peu quand même. Ah, ici je le sens bien. Ici je. Ouais, ok, il y a deux branches. C'est pas celle-ci. Ah. Ça nous a ramené plus loin. Je crois. Je suis même quasiment sûr. S'il vous plaît, laissez-nous partir. On aimerait bien finir, non pas la map, non pas cet épisode, mais la map. Bon, ce serait aussi la fin de l'épisode, hein. Logique. Je ne peux pas continuer un épisode sur une map qui est terminée. Mais, l'objectif est surtout de terminer de chercher. Ok, c'est forcément là. Parce que bon, je crois que notre but, ça va être de descendre.
pour quitter ces lieux atroces. C'est pas là. Putain, si je voulais jouer à Metroid, j'aurais lancé Metroid, les mecs. Hein. Ah, parfait. De la lumière. Oh putain, ça sent la cinématique. Salut, tu veux un CD? Non. Salle des scanners. Comment j'y accède? Alors, il y a un mob au-dessus. Hein. Déjà, on met ici, voilà. Hop là. Putain. Ce boulet des temps modernes. Hop là. Voilà. 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 Et là, on est au bon endroit. Ce laser vient de disparaître. Excellent. Ce n'était pas un ennemi. Ou quoi? Il est juste ici, en fait. Tiens, crève. Thanks anyway. Crève, crève, crève. Alors que j'aimerais partir. S'il vous plaît. S'il vous plaît, j'aimerais partir. Non, vous ne voulez pas trop que je parte, hein. C'est un peu ça le problème. Salle des scanners, veux-tu t'ouvrir? Oui, bien les amis, on va faire quelque chose de très 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 simple. Vous allez décider si on continue cette map ou pas, s'il faut continuer notre épopée ou si notre épopée est terminée. Avant de dire ça, on va quand même tenter le demi-tour. C'est peut-être que c'est du côté où il n'y a pas de lumière, parce que je trouvais le côté avec la lumière un peu trop simple. Le principe est tout trop facile. Ouais, en vrai, j'ai pas envie d'arrêter tout de suite, parce que si vous décidez que je dois finir la map, il faudra refaire un épisode. Et si je dois refaire un épisode, hop là, si je dois refaire un épisode, il sera forcément court, parce qu'on doit s'approcher de la fin là quand même. À un moment, je veux pas déconner, hein, mais bon, mais c'est censé terminer. Rien ici. Je me gratte le nez tellement je réfléchis. Comment ça rien à voir? Comment ça? Rien ici, rien ici. Ce coffre, on va même pas le vérifier parce qu'il n'y a rien dedans. Nos deux blocs sont là. Plein. Hop là. Je leur ai mis à côté d'eux un petit portail rouge. Oh, c'est immense. Cette map est bien trop grande. That's what she said. Ah, ça a l'air bien. Des escaliers, moi j'aime bien. Checkpoint. La détention d'armes est passible de poursuites dans cette zone. Sont considérées comme armes potentielles les objets suivants. Les briques, les lames, les bâtons, les tourelles, les explosifs et les téléphones. Ok, excellent. Excellent, les téléphones vous posent problème. C'est parfait. C'est parfait parce que j'ai un Samsung Galaxy S3. Excusez-moi. D'accord, alors, ce qu'on va faire. Excuse-moi. Je l'ai balancé ici en fait. Voilà. Ok, elle est morte, cette pute. On va remettre. Voilà. Ah, bon, on l'a mal mis. Voilà, on l'a bien mis. Il est pas loin de notre de nos blocs. Si on en a besoin, on n'aura pas à les chercher pendant 8 jours et demi. On va aller les chercher maintenant. Parce que j'ai pas envie vraiment hein, d'avoir une épopée de 8 ans pour retrouver des blocs. Voilà. Voilà. Et on passe de l'autre côté. Arrivé ici. On n'a rien d'intéressant, on repose le portail rouge et on remet le jaune en mode lumière. Et le mode lumière, on aime bien. Ok, la zone est à feu et à sang. Est à feu et à sang. Le mec fait des liaisons. Le mec s'y connaît pas en liaison, alors il en met au hasard. Il y a deux côtés, on va prendre celui-ci. Les deux mènent au même endroit, je pense. Tous ces trucs sont fermés. Sauf un, évidemment. Peut-être. Non. Non, ils sont tous en couleur pas cool. Donc c'est qu'ils sont tous pas cool.
Zone 63, danger, accès limité. Déposez vos affaires dans vos casiers ou dans ce coffre au préalable. Merci de vous soumettre à la procédure de fouille réglementaire avant de passer. Des grilles d'émancipation matérielle. Passez une bonne journée. Productivité, machin, je sais pas quoi, Taras. On s'en contrefiche. On garde évidemment tout notre matériel puisqu'on s'enfuit. Donc le concept quand tu t'enfuis, c'est que tu vas pas respecter les règles. Sinon, c'est que t'es très con. C'est que t'es très très con. Mais nous, on n'est pas con. Enfin, du moins, si. On est con, mais on n'assume pas trop. Genre, peut-être qu'on a un doute. C'est-à-dire qu'on est en hésitation, et on monte des escaliers qui n'en terminent jamais. Et évidemment, dès qu'on dit ça, ils s'arrêtent. Il y a plein de blocs ici. C'est la liberté, ça. Professeur Yu Konyuma. Ok. Lève les bras. Le budget des laboratoires Aperture dépend désormais de Microsoft. Si vous êtes victime d'un licenciement suite à un plan de redressement économique, gardez votre sang-froid. Une cellule psychologique gratuite sera prochainement ouverte pour vous aider à vous adapter à votre nouvelle condition de chômeur sans avenir. Il est déconseillé de vous suicider dans votre ex-environnement de travail. Utilisez les cabines. Merci. Sortie. Alors les sorties, c'est bien. Pouvoir y accéder, c'est mieux. Salut. Non, je peux pas vraiment sortir en fait. Il va falloir arrêter de jouer avec mes nerfs. Hein. À un moment, faut arrêter d'être des bâtards. Laissons tomber. Il ne nous veut pas de mal. C'est un chercheur. Continue de chercher, mec. Continue. Ici, on ne peut pas y aller. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a plein de trucs qui vont dans tous les sens qui, je pense, ne nous intéressent pas. S'il n'y a rien au fond, on ira vérifier cette salle. Ici, on a des blocs. Donc, se trimballer nos blocs de merde depuis le début était inutile. Qu'est-ce qu'on a là? C'est la liberté, ça. Centre d'enrichissement, laboratoire bureau. Moi, je veux la sortie, là, je la vois. L'air libre, enfin, putain. L'air libre. Merci de déposer vos affaires ou vos plaintes avant de commencer votre journée, messieurs. Bonne journée. Si je pose une affaire, peut-être ça va faire un truc. Non. Je vous dis peut-être que ça va ouvrir quelque chose. Une fenêtre ouverte, un truc. Un moyen de se barrer comme ça, en fait, hein. On est libre! Salut, y'a quelque chose ici? Non. What? Je veux pas savoir. Oh putain, y'a écrit beaucoup de choses. Portal of Science Subject 12021, fin. Super, vous avez terminé. Formidable, enfin bon. Je présume, sinon merci d'ignorer le panneau précédent. Bon, nous remercions Monsieur Papier pour sa participation à la première bêta test et pour les deux setups du projet, blablabla. Je vous le mets tout le texte, même si je m'en bats les couilles, assez violemment. Un énorme merci évidemment au créateur, Keyboard, le Noëliste et Linkosa, pour cette sublime map qui nous aura donné du fil à retordre. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et alors moi je lance le challenge. Oui, je vous lance des challenges. 2500 pouces verts, mes bitches, pour cette fin. Car oui, on est libre. N'hésitez d'ailleurs pas à nous le rappeler dans les commentaires. Je lance le spam commentaire, on est libre. Ouais, j'incite à spam ma propre chaîne. C'est honteux, mais n'hésitez pas évidemment à le mettre sur les chaînes des autres gens. Hein. C'est beaucoup plus drôle. Allez envoyer on est libre sur les chaînes de tout le monde. Je vous dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. C'était Unster Bleacher. Oh yeah. Allez. Bye bye!